Membre du collège des fondateurs, monsieur le secrétaire général faisant fonction, messieurs les secrétaires généraux adjoints, mesdames et messieurs membres du comité exécutif, monsieur le président interfédéral de Bukassa, messieurs les présidents fédéraux, monsieur le président de la Ligue des jeunes, madame la présidente de la Ligue des femmes, monsieur les représentants des structures spécialisées, mesdames et messieurs représentants des partis politiques, lesquels je tiens encore à remercier leur participation et d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs représentants de la société civile, chers sympathisants, militantes et militants, septembre 1988, septembre 2021, il y a 23 ans, nous sommes levés pour que les tribus du Congo, toutes les minorités, tous les groupes ethniques, sentent qu'il existe dans ce pays un État qui ordonne, un État qui protège. Chers camarades du parti, nous nous sommes levés pour mettre en place un ordre politique nouveau qui ramène une paix durable dans notre pays. La paix est une priorité pour tous. La paix pour relancer l'économie. La paix pour réussir notre développement et replacer le Congo dans le concert des grandes nations. La paix pour assurer nos voisins. Il y a 23 ans, naquit le mouvement de libération du Congo. Tout au long de notre marche, nous avons bénéficié du soutien de millions de Congolais qui ont compris et adhéré à notre lutte politique pour la liberté et le développement. Liberté de vivre, liberté de choisir, liberté de refuser l'humiliation, liberté de construire un monde meilleur. Durant les 5 années de lutte, nous avons perdu nos vaillants combattants, dont je salue la mémoire et je demande à l'assistance d'observer une minute de silence en leur mémoire. C'est ici l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu de nous avoir protégés et de nous avoir gardés en vie. Notre objectif du MLC est de donner au peuple congolais le bien-être qui lui revient et qui lui appartient. Notre objectif du MLC est de donner au peuple congolais le bien-être qui lui revient et qui lui appartient. Il n'est pas tolérable de continuer à persister dans la contradiction d'un pays extrêmement riche avec une population qui figure parmi les plus pauvres du monde. Chers camarades du parti, 23 ans après, il nous paraît important d'évaluer les objectifs du parti. D'abord comme mouvement politico-militaire, et ensuite après la mutation comme parti politique. L'autocritique
sur le plan de la gestion politique et des ressources, les objectifs non atteints, les raisons de l'échec et enfin entrevoir les perspectives d'avenir. Outre les évaluations, après toutes ces années de combat, nous enregistrons quelques acquis. Tout d'abord, en tant que mouvement politico-militaire, et ensuite en tant que parti politique, nous pouvons d'ores et déjà épingler les exemples ci-après. Après 5 années de conflit, nous avons participé activement à la réunification du pays en mettant en application les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le retrait des troupes étrangères qui a abouti à la signature d'un accord de cessez-le-feu en République démocratique du Congo à Lusaka le 31 juillet 1999 en vue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Un accord de cessation des hostilités entre les communautés Emma et Lendu en Ituri. Nous nous sommes engagés en 2002 dans l'accord global et inclusif sur une transition convenant de cesser les hostilités et de rechercher une solution pacifique et équitable à la crise que traversait notre pays. Nous avons pris l'engagement de réunifier nos troupes dans le processus de formation d'une armée nationale restructurée et intégrée, de la police nationale ainsi que les services de sécurité conformément à la résolution adoptée le 10 avril 2002. À la suite de la signature de l'accord global et inclusif, nous avons convenu la mise en place en 2003 d'un gouvernement de transition comprenant un président et 4 vice-présidents qui avaient pour mission de réunifier le pays, de pacifier le pays, d'installer les institutions démocratiques, de relancer la croissance économique et d'engager la reconstruction du pays. Pendant toute la période de transition, de 2003 à 2006, nous avons milité et obtenu le respect des objectifs de la transition, c'est-à-dire atteindre la réunification du pays avec une seule administration, armée, police, service de sécurité, ainsi que la pacification de l'Est du pays. Tous ces efforts nous ont permis la mise en place d'un régime constitutionnel démocratique par l'organisation d'élections en 2006. Défenseurs des valeurs démocratiques, nous avons souhaité que ce processus de démocratisation soit accompagné par des institutions d'appui à la démocratie, comme la Commission électorale indépendante pour garantir la transparence des résultats électoraux, la Haute Autorité des médias pour garantir et assurer la liberté de la protection de la presse, veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. La Commission Vérité et Réconciliation pour rétablir l'harmonie, la concorde, la paix de cœur et d'esprit entre Congolais, auteurs et victimes des divers préjudices en vue de restaurer l'unité nationale et le savoir-vivre ensemble. L'Observatoire national des droits de l'homme pour garantir les droits inaliénables et inhérents à chaque être humain, dont le respect et l'exercice garanti par l'État permettant l'épanouissement intégral de l'homme.
nous avons été parmi les groupes politiques qui ont contribué à la construction de l'actuelle Constitution en février 2006, en pilotant l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la transition. Dans la commission économique et financière que nous avons dirigée, nous avions imprimé la gestion orthodoxe des finances publiques par la discipline budgétaire, matérialisée par l'équilibre du cadre macroéconomique et le maintien de l'équilibre monétaire. Dans la commission économique et financière que nous avons dirigée, nous avons imprimé la gestion orthodoxe des finances publiques par la discipline budgétaire, matérialisée par l'équilibre du cadre macroéconomique et le maintien de l'équilibre monétaire. Ceci a permis l'obtention du programme formel PPTE, pays pauvre très endetté, en 2007. Il débouchera plus tard par atteindre le point d'achèvement et la suppression de la dette extérieure à plus de 80%, ainsi qu'un taux de croissance économique à plus de 8% en 2006. Nous avons toujours répondu présent et apporté notre contribution significative dans toutes les discussions politiques de notre pays, allant dans le sens de l'intérêt général, en émettant clairement notre point de vue lors des concertations nationales en 2014, du dialogue de la CENCO en 2017 et les consultations nationales en novembre 2020. L'élection contestée à la tête de l'État en 2006 et en 2011, entraînant une crispation de la situation politique avec les exilés et prisonniers politiques. La répression des manifestations par le régime passé a causé plusieurs centaines de morts entre 2016 et 2018, avec comme effet la crise de confiance dans les institutions en raison du prolongement du mandat. Le manque d'autorité de l'État sur tous les territoires a amené l'installation d'une centaine de groupes armés sur toute la bande est du pays. Pour des raisons de responsabilité politique et à la recherche d'une solution apaisée et la paix, le MLC a accepté une fois de participer et signer l'accord de la Saint-Sylvestre sous l'égide de la CENCO, après l'annonce de l'impossibilité de tenir les élections avant décembre 2018. Le MLC a participé aux élections chaotiques de 2011 et 2018. Malgré l'absence de son président, il a maintenu sa participation dans les différentes institutions politiques du pays. Toujours à la recherche de l'intérêt général, le MLC a participé aux consultations de novembre 2020 afin d'aboutir à la stabilité des institutions du pays et à la mise en place de la nouvelle dynamique de l'Union sacrée, en faisant participer dans la gestion de toutes les institutions politiques nos cadres. Tout ceci démontre notre attachement aux valeurs républicaines. Mesdames et messieurs, membres du Collège des fondateurs, monsieur le secrétaire général faisant fonction, messieurs les secrétaires généraux adjoints, mesdames et messieurs, membres du comité exécutif, monsieur le président interfédéral de Kinshasa, messieurs les présidents fédéraux, monsieur le président de la Ligue des jeunes, madame la présidente de la Ligue des femmes, monsieur le représentant des structures spécialisées,
Mesdames et messieurs représentants des partis politiques, mesdames et messieurs représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs représentants de la société civile, chers sympathisants, militantes et militants, dans la perspective d'instaurer un État véritablement de droit, le MLC ne peut renoncer à son combat politique avec un but précis de développement intégral de notre pays. Le MLC a un programme ambitieux de gouvernance pour un État véritablement démocratique et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce programme s'articule autour de 4 objectifs. La réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités sociales, la bonne gouvernance, la sécurité des biens et des personnes. Dans le but précis de mettre en œuvre cette politique anthropocentrique, la vision du parti consiste donc à instaurer en RDC une société où règne la paix et la sécurité, la liberté et la démocratie, ainsi que la justice, prélude au développement. Nous sommes fermement convaincus que l'équation démocratie-développement doit être établie et qu'il n'existe aucune possibilité de développer le pays en dehors de ce concept. Pour y arriver, nous en appelons à l'émergence d'un type de cadre qui doit se distinguer par sa compétence, son intégrité morale, sa probité et son patriotisme. Que vivent nos 23 ans de lutte politique, que vive le mouvement de libération du Congo, que vive la République démocratique du Congo, et avec Dieu nous vaincrons. Mesdames et Messieurs, bonjour, nous sommes bel et bien ici au GB dans le grand chapiteau, dans l'enceinte du GB où dans quelques instants vous allez suivre le 23e anniversaire du mouvement de libération du Congo. Beaucoup de militants des 10 fédérations de la ville province de Kinshasa sont bel et bien ici dans la salle. Je vous rappelle que ici dans l'enceinte du GB, il y a pratiquement deux chapiteaux, deux grands chapiteaux qui ont été mis en place. Chapiteau Aliboso, Bazaliwana, Bangope, Bako Koutana Mokondi, président Jean-Pierre Bemba, Tangaroya Kalamingite, Baro Solanae. Deuxième chapiteau, les alliés, il y a cadre, il y a le mouvement de libération du Congo et Paiwapi. Président national Jean-Pierre Bemba, Ako Solo Lapé, Batunyoso, Nao Italie, 23e anniversaire, il y a le mouvement de libération du Congo. Petit à petit, Masolo, les alliés, Kosalama, Nebozali, Gomona, Awa, Nasimakuna, ils ont un instrument. Makambo, ils ont bien, Makambo, ils ont bien, Awa, à niveau, il y a GB, Awa. Libanda, Batbazali et Beli, Baba et Bele, Batbazali au côté d'un ordre, Gara Ningue Zalara. Rapidement, la Ransa Torozoa déjà, Moko Yaba cadre interfédéral, Jean-Jacques Moutoile, Bangone Bazali, Basimi Kinshasa, Nao Itali, MLC, Yazali, deuxième vice-président interfédéral, premier vice-président à niveau mouvement de libération du Congo, Nao Itali, ville à Kinshasa, Neko, Jean-Jacques Moutoile, Lelo, 23e anniversaire mouvement de libération du Congo. Bongisi Yango, Ningi Potomoni, Maramino Salama Gitoko. Vraiment, Tolinga qui a l'élo penda ezala modernisé. Nakanisi omoni. Le programme ezali que président Azala qui n'a besoin pour expliquer histoire ya mouvement de libération du Congo. Yango a bengisi batu l'élo ameka koloba banda gouvernement bandina na lobité. Azali awa pona kopesa sango ya kimia ya bolingo. Nakanenge honorable Boula lobi pour l'anniversaire. Mouvement de libération du Congo. Voilà, nous sommes ici à l'extérieur au chapiteau du GB. Vous avez vu la paix. Voilà, à la commune.
deuxième chapiteau et pas yopi ba militant MSP ba ebele.